Zéronet TV vous présente au CES Anveil le premier toutou connecté. Il est mignon, hein. Enfin, ce qui est plutôt sympa, c'est pas trop le chien, parce que lui, il est totalement naturel, c'est un vrai chien. C'est le petit bracelet qu'il a autour du cou, le collier exactement, avec ce petit capteur qui s'appelle tout simplement Jagger & Lewis. Et c'est français, malgré un nom qui a une consonance anglaise. Et ce petit bracelet connecté permet de faire pas mal de choses, quelque chose d'assez nouveau, puisqu'en fait, il va analyser le comportement du chien. Il va enregistrer l'activité du chien pendant 24 heures et puis petit à petit, il va apprendre du chien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, après nous, les maîtres de ce chien, savoir si par exemple votre toutou a trop bu ou s'il n'a pas assez dormi, s'il a assez mangé, etc. Et en fait, c'est pour détecter des comportements, on va dire, inhabituels du chien. Et ça, c'est très important parce que, évidemment, un chien, là, celui-là, il n'en peut plus, je crois qu'il est fatigué, il y a trop de monde. Au bout d'un moment, un chien peut peut-être avoir un comportement bizarre et on ne s'en rend pas trop compte. C'est ça qui est intéressant. L'autre nouveauté avec ce bracelet, c'est qu'on va pouvoir localiser le chien avec une technologie sans fil, donc il est Wi-Fi, mais aussi avec la technologie LoRa, une technologie qui s'affranche du GSM, et qui va vous permettre de le détecter à peu près n'importe où en le géolocalisant. Ça sort dans les semaines qui viennent et ça coûtera à peu près 200 euros.